Hey, coucou à tous ces amis, c'est Jérôme Invoyance. Bienvenue sur ma chaîne de voyance. Aujourd'hui, les amis, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo de voyance sur le sport. Alors, je sais que vous n'êtes pas tous fans du sport, mais voilà, je me suis dit, j'ai une occasion de faire une petite vidéo, je vais en faire une. Bien évidemment, il y aura d'autres vidéos qui vous attendent, comme sur la fin de l'année 2020, comme sur le reconfinement en France qui va avoir sûrement lieu, malheureusement. Malgré tout ce qu'on puisse croire, voilà, sur les événements aussi à venir, sur la politique, et voilà, si vous avez d'autres idées en dehors de ça, n'hésitez pas encore à une fois à me le mettre dans les commentaires. Voilà, bon visionnage à tous. Et bien évidemment, si vous êtes nouveau à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ouais, j'ai. Normalement, je l'ai stabilisé. Donc, on va faire France-Ukraine aujourd'hui au niveau du foot. Et le but, c'est de vous dire vraiment un peu le déroulement du match. Donc, on va faire le tirage pour la France. Qu'est-ce que la France nous réserve? L'équipe de France, hein, bien évidemment. Oh, bon, ils vont plutôt bien gérer le match face à l'Ukraine, hein. Maintenant, est-ce que c'est vraiment suffisant pour se démarquer à 100%? Ça, pas si sûr. Faites attention, l'équipe de France, c'est une équipe qui apporte des surprises, des hésitations. Notamment, il y en a eu sur le choix de l'équipe. Hein, ils ont hésité entre deux joueurs. Il y a un échange qui va se faire pendant le match. Une belle équipe qui va bien gérer son match. Une chance parfois même laissée passer, c'est-à-dire qu'ils vont avoir plein d'occasions de marquer, ils vont se louper quand même pas mal de fois. Voilà, un match qui va devenir ensuite un peu plus dur en seconde période. L'étoile à l'envers, mais l'étoile tout de même qui ressort. Voilà, mais une équipe quand même qui est très très forte. Voilà, ils ont des adversaires, mais il reste quand même une équipe forte. Maintenant, pour voir si ça suffit ou pas, on va faire le tirage, bien évidemment, pour l'équipe d'Ukraine, pour voir ce qu'elle nous réserve. Alors, l'Ukraine. Le monde est ressorti, la joie, le bonheur. Ils vont être contents du match qu'ils vont faire. L'empereur, très bon match pour eux. Une belle défense. Et la maison de Dieu à la fin. En fait, ça va être un match un peu dans la lenteur. Je suis pas sûr que. Voilà, ça va être un peu dans la lenteur. Ils vont bien gérer le match. Moi, je vois une équipe plutôt bien gérer son match. Mais la fatalité à un moment donné va venir. Vont beaucoup jouer sur la défense. Ils vont beaucoup jouer plus sur la défense que sur l'attaque. Ils vont pas trop attaquer face à une équipe au contraire de France qui va bien mener le jeu, bien attaquer, qui va louper beaucoup d'occasions. Je répète, là pour le coup, on a une équipe qui va beaucoup jouer sur la défense, qui va essayer de tenir longtemps, mais à la fin, je vois la maison de Dieu qui ressort, donc hein, ils vont se casser un petit peu la gueule à la fin, donc il se peut,
Moi, je reste persuadé que la France va emporter le match. Maintenant, attention aux surprises, hein, attention aux surprises, voilà. Tout dépend en fait de la défense. Quand la défense de l'Ukraine va craquer, en fait, c'est surtout à ce point-là, est-ce qu'ils vont tenir jusqu'à la fin ou est-ce que non, ils vont leur laisser au contraire du champ libre pour marquer, qui donc la France qui aurait pu du coup faire un beau score mais qui va rater énormément d'occasions quand même. Voilà, j'espère les amis que ce tirage vous aura plu. Moi, je compte sur vous pour vous abonner si vous êtes nouveau à ma chaîne. Voilà, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je vous souhaite à tous un excellent match, une très bonne soirée et à très vite.